Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous regardez la vidéo. Nous disons bienvenue sur le channel Tico Dolnia et que nous allons apprendre nos bagages ensemble jeudi. Ce qui est lié, c'est comment on peut empêcher les gens de pirater contre WhatsApp. Soit que ménage, les madame, ou du moins quel que soit les amis que vous gagnez, et côté que le pape gagne accès pour pirater contre WhatsApp. Et nous disons pas oublier, quittez un like pour nous, quittez un commentaire en bas de la vidéo et abonnez-vous ensemble à notre channel. Et pour être capable de faire plus de vidéos que nous allons laguer, pas oublier d'activer la cloche de notification à chaque fois que nous laguer une vidéo pour être capable de toujours être automatique. Et pour nous commencer, nous allons aller dans le menu téléphone. Nous allons aller sur WhatsApp. Nous allons peser sur WhatsApp. Nous allons ouvrir. Nous allons aller sur. Dans trois petits points qui sont en l'air. Nous allons peser trois petits points. Ok, là, il y a 5 options. Dans 5 options, ça, il y a nous choisi la dernière option qui est paramètres. On a pesé paramètres. Là, on va aller peser sur la première option qui est account. On a pesé sur lui. Ok, là, il y a plusieurs autres options encore. Mais nous, ça que nous allons travailler là, c'est une troisième option qui est. Vérification en deux étapes, si le téléphone est en français ou si il est en anglais, on va pouvoir marquer Two Step Verification. Et que nous avons cliqué sur le lien, mais pas oublier, avant de nous ouvrir, nous avons dit que le code ça qu'on va rentrer, c'est un code de vérification qui est lié. C'est même les gens qui ont installé WhatsApp sur le téléphone, ils ont envoyé un code de vérification pour être capable de connaître est-ce que vraiment le numéro A c'est vous-même qui avez utilisé, est-ce que le numéro A c'est pour vous lier, pour gagner accès ensemble avec ça que vous avez fait. Et c'est comme ça tout, et vérification en deux étapes là, vous êtes capable. Vous pouvez rentrer au code, c'est vous-même seulement qui doit connaître le code ça. Vous pouvez partager l'ensemble avec le monde parce que c'est vous-même qui doit connaître pour le monde pas avoir accès ensemble avec WhatsApp pour être capable de pas pirater. On a pesé sur tout ce type de vérification. Là, vous êtes capable d'ouvrir. Après, fin ouvrir, vous pouvez rentrer le code que vous pouvez rentrer qui gagne 6 chiffres. Le code ça que vous pouvez rentrer, sûr que c'est vous-même seulement qui connaît. Vous pouvez partager l'ensemble avec nous et que vous capable d'avoir accès avec ça que vous pouvez faire. Je vais rentrer le code par main. Ok, là, vous demandez pour confirmer une deuxième fois. Pour rentrer une deuxième fois, vous pouvez confirmer et ça que vous pouvez rentrer. Est-ce que c'est sûr? Ça que je prie. Et nous souhaitons que vous n'oubliez pas ça, c'est que c'est un code ou habitué ensemble avec vous mettez pour capable faire ça que vous faites. Là, vous m'avez demandé d'entrer email là. Email là, c'est quel que soit mon qui t'a voulu pirater WhatsApp, pas de accès parce que les pas connu, il pas de code vérification pour vous sortir d'entrer. Code de deux étapes là pour vous sortir d'entrer, il pas de rien. Qui fait un mot email, c'est parce que si un monde a dit envie de pirater WhatsApp, non seulement il n'est pas capable, mais il y a beaucoup de messages par vous sur email pour être capable. Et ouais, est-ce que c'est vous-même qui voulez faire ça comme fait là ou bien non? Pour prendre email, ça c'est email par moi. Et il y a un mot pour être capable de continuer. On fait continuer. Là, il y a un mot pour vérifier. Email là encore, est-ce que c'est un email qui est sûr, ça que vous souhaitez rentrer? On va rentrer encore. Vous m'avez pour sauver là. Vous pouvez sauver l'email là. Là, vous devez ça pour terminer. Ça, est déjà fait. Vous devez vérification en deux étapes et terminer. La PC est terminée. Ok, là où vous avez accès, vous êtes capable de changer le PIN, vous êtes capable de changer l'email là, et ça que vous êtes rentré. Notez bien, pas oublier, quel que soit, pas oublier, à n'importe moment, excusez-moi, à n'importe moment que vous allez rentrer sur WhatsApp là, vous avez droit à mandat pour rentrer deux étapes code vérification. Pas oublier, code ça, à n'importe moment, vous êtes capable de rentrer sur WhatsApp là, il y a mandat pour rentrer code vérification. C'est que, et à n'importe qui t'a voulu rentrer sur WhatsApp ou si téléphone ou ta main même, s'il n'y a pas de code vérification, il n'est pas capable de rentrer sur WhatsApp. Et
Et c'était tout pour aujourd'hui. Nous disons merci parce que vous avez suivi nous avec un peu d'attention. Et que nous n'avons pas oublié de quitter le like ou le commentaire. Ou bien sûr, avec vous avez une critique. Ou bien sûr, vous avez un travail à faire. Nous comptons pour nous être ensemble avec vous. Merci.